Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, c'est tout simplement un crash test des produits du calendrier de l'Avent de chez Action. Donc oui, je tarde effectivement, mais j'avais envie de vous faire vraiment un truc complet et puis il me fallait le temps aussi, hein, le temps de pouvoir le faire parce que ça prend du temps de faire les crash tests, il faut pas croire. Sinon, j'ai déjà mis certaines choses parce que je vous les avais déjà testées dans une autre vidéo que je vous mets dans le petit i juste là au-dessus. Donc j'ai d'abord mis les fameux primers, donc moi je ne les connaissais pas, mais ça fait déjà un petit moment que je les ai maintenant. Donc ici on part sur primer lumineux, donc un peu style highlight, que c'est celui que j'ai mis aujourd'hui parce qu'aujourd'hui j'avais envie d'avoir un teint lumineux, voilà. Et j'ai l'hydratant qui est celui-ci, qui lui est vraiment une tuerie, j'aime beaucoup lui, je me le suis déjà racheté. Donc je les ai déjà testés pendant plusieurs semaines et honnêtement ils sont vraiment très bien. Bon, l'hydratant est un petit peu haut, je vais dire un peu texture, ouais un peu haut, mais je veux dire voilà, rien de fou non plus. Aujourd'hui on testera les primers aussi qui vont donc avec les autres, mais pour les yeux, donc de nouveau un hydratant et un lumineux. Je pense qu'on restera sur le lumineux, lui je ne l'ai pas encore testé. Et niveau fond de teint, ben, j'ai les deux ici, je pense que vous connaissez, le satiné et le mat. Donc moi j'ai en tête pour le satiné c'est 126 et pour le mat c'est 122. Donc aujourd'hui j'ai mis le satiné parce que comme je vous ai dit j'aimerais bien avoir un teint un peu glowy. Voilà, ça dépend. Et niveau concealer, j'ai toujours lancé en fait là, avec le packaging nude je crois. Et ils ont sorti un peu le même style mais en noir. J'en ai déjà mis aussi parce que celui-là je pense que vous le connaissez et je vous en avais déjà parlé auparavant. Donc là on va principalement se focaliser sur les yeux. Mais je vais d'abord poudrer mon visage parce que j'ai pas fait face moi certaines zones. Donc je vais reprendre ma palette, enfin ma palette, avoir ma poudre, donc qui est celle-ci, je pense que vous la connaissez, c'est une des toutes premières poudres qui est sortie. Donc moi je l'ai en tête 263, donc c'est le light beige. Et ce qui est bien c'est que elle est à l'aloe vera et vitamine E, donc honnêtement c'est plutôt pas mal. Et elle est cruelty free parce qu'il y a le petit lapin, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Donc je vais juste poudrer certaines zones, pas tout parce que comme je vous ai dit j'aimerais bien avoir un teint glowy. Donc je prends un petit pinceau comme ceci, qui est normalement un pinceau highlight, mais je trouve qu'il est quand même un peu gros pour de l'highlighter. Mais ça voilà, c'est propre à chacun. Donc je prends un peu de matière, j'enlève le surplus et je vais tout simplement poudrer le dessous de l'œil pour ne pas que mon concealer que j'ai mis juste avant rentre dans les plis. En fait je n'aime pas ça du tout. Donc comme je disais, on va se focaliser sur les yeux. Alors dans les calendriers de l'Avent, j'avais eu deux petites palettes comme ça. Donc si vous m'avez suivi lors des ouvertures de calendrier de l'Avent, vous avez normalement dû les voir. Donc n'hésitez pas non plus à aller en barre d'infos, il y a tous mes réseaux sociaux. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la petite cloche. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc on va mettre la base à paupières qui est celle-ci. Donc j'ai pas testé comme je vous ai dit, donc le format il est comme ça. Donc moi je vais le mettre sur mon doigt. Donc je sais pas si vous allez voir, elle est blanche nacrée avec des toutes petites paillettes. Donc allez, à voir. Donc là on va d'abord faire d'abord les sourcils, hein. Alors j'ai deux produits. J'ai le crayon comme ceci, je pense que vous le connaissez, hein, c'est celui-là. Donc moi j'ai le marron si je dis pas de bêtises. Oui, il n'y a pas de nom, non il n'y a pas. Donc on a un goupillon, ça c'est vraiment très bien. On a donc la matière et un taille crayon directement. Et en plus j'ai pris ceci. Donc ça je ne sais plus si je l'avais dans le calendrier de l'Avent ou si c'est moi qui l'avais acheté, je ne me rappelle pas. Donc c'est un kit, donc moi j'ai le kit medium dark. Hop. Moi je fais mes sourcils comme moi je les aime moi en fait, chacun fait comme il veut. Donc moi en général je passe en dessous, hop. Ouais ça va être trop clair en fait, je le vois par rapport à mes cheveux, ça va être trop clair. C'est pas grave, je rectifierai plus tard. Donc le crayon ici est vraiment très bien, franchement j'aime beaucoup, il est ni sec ni trop gras, il est vraiment juste ce qu'il faut. Facile à travailler. Je pense que c'est plutôt pas mal, donc voilà, voilà ce que ça donne. Je crois qu'on voit quand même une différence. Ouais, j'aime bien. Par contre, ouais, c'est fort marron. Hein, je vais dire, contrairement à mes cheveux, ouais, c'est un peu,
c'est pas trop ce que j'aime. Alors, en général, j'aime bien d'être un peu en rapport avec mes cheveux. C'est mon délire à moi, chacun fait comme il veut. Bref, donc on va revenir au fard à paupières. Donc les deux petites palettes ici. Donc si, ici j'ai une palette de 4 têtes. Donc ici c'est la 620, la saison Top Goal. Ok, d'accord. Donc on a un petit pinceau comme d'habitude. Et ce sont ceux-là. Donc les couleurs sont très belles. La seule chose que j'ai à reprocher, c'est qu'il n'y a pas de... de fard mat crème. En fait, ils sont tous irisés, donc ça peut... voilà quoi. Et la toute petite palette ici, qui est vraiment minuscule pour le coup, c'est la Fresh Hot. Donc c'est la 614, donc elle est comme ça. Les couleurs sont vraiment très belles. Honnêtement, je ne sais pas vers quoi on va aller. Je pense qu'on va essayer de tester un peu des deux quand même, hein. Donc je sais pas, on va voir. Je vais partir un peu au feeling comme ça. Donc, je vais essayer d'abord de prendre, même s'il n'y en a pas. Ouais, celle-là, elle est fort rosée. Bah, tant pis, je vais prendre celle-ci. Donc, celle-ci qui est une couleur crème un peu champagne, je dirais. Mais irisée de nouveau. Donc, on va voir. Donc, je prends un pinceau de chez Joom. Hein. Donc, on va voir la pigmentation et voir aussi si c'est poudreux ou pas. Donc, en prenant la matière ici, je vais dire ça va. À voir maintenant. Donc je vais mettre sur toute ma paupière mobile. Et ouais, il est bien bien irisé, hein, le truc là. Ouh là là. Vers quoi on va aller? Je vais prendre d'abord un pinceau plus petit. Enfin plus petit, tout est relatif hein, quand je dis plus petit. Hop. Pour former mon creux de paupière. Donc on va partir. Par contre j'ai l'impression qu'il y a deux couleurs qui se ressemblent là. J'ai l'impression que les deux pourpris ici là se ressemblent assez fort. Ouais, j'ai bien l'impression. Le champagne qui est ici juste en dessous. Donc à voir s'il est bien pigmenté. Waouh, ouais, il m'a l'air. Donc je vais le mettre ici. Donc j'ai pris un pinceau vraiment très petit. C'est volontaire, c'est juste pour creuser ici. Je vais prendre le bleu parce que j'ai vraiment envie de mettre le bleu. Donc je vais prendre un pinceau plat, ce serait bien. Oui, je vais prendre celui-là. Alors, à voir s'il est bien pigmenté comme les autres. Je pense que oui, par contre lui il m'a l'air d'être poudreux à mort. Ouh là là, je vais faire attention. Donc je vais mettre sur toute la paupière mobile. Voilà. Ouais. Non. Je n'aime pas du tout les gars. C'est trop pailleté, c'est trop de paillettes en fait. C'est non, non, non. J'aime bien, mais à petite dose en fait. Et là, c'est pas à petite dose du tout quoi. Ouais. Donc, bah écoutez, je vais essayer d'aller rectifier ça hors caméra, essayer de cacher cette misère, même si honnêtement, je ne sais pas du tout comment ça va aller. Mais bref, on verra. Me revoilà, je suis allée essayer de rectifier ça hors caméra. J'ai fait un trait d'eyeliner comme d'habitude avec mon eyeliner de chez AliExpress qui est vraiment un très gros coup de cœur. Celui-ci, le In Magic, pour essayer de faire un cache-misère si on peut dire. J'ai essayé de rattraper un petit peu avec la palette mais non. Bof, je ne sais pas si vous allez bien voir ou pas. Attendez, je vais essayer de vous rapprocher, voilà. C'est pas que c'est horrible, attention, mais c'est trop de paillettes en fait. Moi, bah, boule à facette, non merci quoi. Donc, ouais, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, tout le temps, je le sais, je vous ai saoulé avec ça. Mais un mat, il faut un mat action. Si vous regardez cette vidéo-là, il faut du mat. Surtout dans les petites palettes comme ça. Parce que c'est dommage, la palette est vraiment très bien. Mais je trouve que voilà, celui-ci... il aurait dû être mat ou un marron un peu mat pour faire le creux de paupières ou quoi. Enfin voilà, je sais pas, ça manque de quelque chose. Voilà. Donc je disais, on va tester donc les crayons. Donc il y en avait 3 comme ceci. Donc il y a le noir. Le noir, je vais le mettre au-dessus. Et alors je vais tester le bleuté en ras de cils parce que ça j'aime beaucoup. Et alors ici on avait un pour les lèvres certainement, mais il m'a l'air trop clair en fait pour moi. Moi je crois qu'on le verra presque pas. Ouais non, il est vraiment très très clair. Attendez, je vais...
Par contre, il n'est ni sec ni trop gras, donc ça c'est plutôt pas mal, mais il est un peu clair quand même, je trouve, pour mes lèvres. Donc, je vais prendre le crayon noir pour mettre au-dessus. Donc, hop, moi je fais comme ça. C'est vraiment trop trop beau. Et pour les gens qui ont les yeux marrons, ce bleu-là, c'est juste parfait. Donc, on va le mettre en ras de cils, hop. Ça, je crains vraiment. Parce que si vous avez vu mes autres vidéos crash test, vous savez que aucun des mascaras de chez Action ne m'allait. Ça n'allait pas du tout même. Donc, je crains fortement. Donc, moi, j'ai toujours mon rehaussement de cils. Donc, je vais juste les coiffer un petit peu. Hop. Voilà. Donc à voir, donc le mascara que j'ai reçu c'est le Max & More, c'est le mascara Height Definition, désolée pour mon anglais, Sculpt et Volume, donc à voir. Donc la brosse elle se présente comme ceci, voilà, donc c'est une brosse un peu bizarre, elle est plate avec des petites vagues, à voir. Donc on va voir si ça marche bien, donc moi je ne recourbe pas mes cils vu que j'ai fait mon rehaussement, donc on va voir. Si c'est le même carnage qu'avec les autres ou si celui-là ça va aller. Et c'est un carnage, je le vois déjà comme ça, la matière ne se dépose même pas en fait, c'est un truc de dingue. Les mascaras de chez Action doivent vraiment vraiment être revus hein, parce que j'ai pas de matière en fait. Et c'est parce que j'ai mon rehaussement de cils, donc du coup, mes cils sont déjà courbés. C'est pas terrible, là, je vous le dis franchement, c'est pas terrible du tout. Mais ça fera l'affaire pour aujourd'hui, parce que j'ai pas envie de commencer à retrifouiller. Mais bof, voilà, franchement, je vais le garder en cas de secours ou quoi, mais c'est vraiment pas un mascara auquel je vais m'attarder dessus, donc je vous le conseille pas du tout. Ensuite, ben, il reste le bronzer, donc j'avais eu ceci dans le calendrier de l'Avent, donc c'est la teinte 150, donc il m'a l'air très foncé quand même, hein. Donc je vais mettre ça mais avec minutieuse, donc prendre un petit pinceau, hop, oulala, ouais. Donc moi je fais pas contouring, hein, je vous le dis, moi je fais juste un petit réchauffement du teint. Donc hop, je fais la règle de 3, hop, comme ça, et je remonte un petit peu au niveau de la tempe et du, j'allais dire du cerveau, n'importe quoi, du front. Hop, voilà, je réchauffe juste un tout petit peu comme ça parce que je suis pas encore brune pour dire de vraiment mettre plus. Mais il est bien pigmenté et ce que j'aime bien c'est qu'il n'a pas des sous-tons orangés, je déteste ça. Quand il a des sous-tons orangés, c'est horrible. Franchement. Et moi qui ai un grand front, bah, je peux me permettre d'en mettre. Si vous avez un petit front, évitez de mettre sur le front. Ça va faire que le rapetissir encore plus. Donc c'est pas l'idée. Voilà. Et on estompe bien pour ne pas avoir la marque de caca juste là. Mmh. Ensuite, je prends un gros pinceau et je balaye un tout petit peu. Hop. Pour fondre les matières entre elles. Par contre, je n'ai pas eu de blush et je n'en ai pas. C'est vrai, en plus, je n'en ai pas du tout de chez Action, donc ça, je peux pas tester. N'hésitez pas aussi à aller sur le cou, hein, parce que pour avoir la démarcation ici et que être blanche comme un cadavre juste en dessous, c'est pas l'idée. Et un petit peu au niveau des oreilles aussi, hein, balayer comme ça, parce que sinon, c'est vraiment pas beau. Combien de fois j'en vois pas comme ça et c'est horrible, mais bref. Ensuite, donc, il reste ma peur. J'ai eu un highlighter, comme ceci, en pipette. Donc, ce qui veut dire que c'est du liquide. Et comment vous dire que je ne suis pas trop à l'aise avec ce genre de texture. Mais allez, on va tester. Donc, et en plus, c'est un marron, donc je ne vous raconte pas la fête. Ouh là là, mon Dieu. Je vais le secouer parce que j'ai l'impression que le bordel est fort fort haut ou fort liquide. Enfin je sais pas, c'est trop bizarre. Je vais essayer. Donc ça c'est de l'highlighter. Donc moi j'en mets en général ici. Ah ouais, c'est ce que j'aime pas avec les liquides. Les liquides comme ça, c'est qu'après ça laisse une trace en fait. Enfin je sais pas comment expliquer, enfin j'aime pas du tout. Oh là là, carnage.
Ouais, ça va laisser une jolie trace, on adore. Ensuite, bah, pour terminer, il y a les rouges à lèvres. Donc j'avais reçu gloss, je vais d'abord remettre mes lunettes, ce serait peut-être bien aussi. J'avais reçu un gloss de la marque Spa, donc qui était dans le calendrier de l'Avent Spa. Donc on va tester, on va voir. Par contre, il m'a l'air très rosé. Allez. Oh bah écoutez, j'aime bien. Il est glossy, ça oui. En fait, ça fait lèvres mordues. Je sais pas si vous voyez. Alors, c'est pas gloss gloss avec l'espèce tout glossy là. Mais c'est un peu style un peu hydratant en fait. J'ai l'impression d'avoir un baume à lèvres tout simplement sur les lèvres. Plus vous en mettez, plus la couleur est ravivée. Ça, c'est normal. Mais je dois dire qu'il n'est pas désagréable du tout. Franchement, ouais, j'aime bien. Donc on va tester aussi. Ah ouais, j'avais reçu aussi un lip gloss. Donc ça va vraiment être le très très gros gloss. Donc ça, on va éviter. Hein, voilà. Et franchement, il va bien avec... Ouais, c'est... Ouais. Lui par contre, il est bien transfert, hein, lui. Hein. Donc à voir. Ensuite, j'ai reçu donc les rouges à lèvres comme ceci. Donc j'ai reçu mauve, rouge et nude. Et celui-ci, jumbo, qui est la teinte 342. Donc lui, j'aimerais bien tester pour voir, même si je pense que ça va être un peu clair. Ah, il est trop clair. Tu vois, c'est... Oh là! On dirait que je n'ai pas de lèvres. Ouais, ouais c'est vraiment le rose. Je sais pas si j'aime bien ou si j'aime pas. Je ne sais pas. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Je vais vous mettre à la lumière. Hop. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Je vais vous mettre là. Je suis désolée, là, je vous déplace. T'as le vlog. Hein. Mais je sais pas, dites-moi un peu. Vous en pensez quoi? Je sais pas. Je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Déjà, c'est un rose. Donc, moi, en général, les roses... voilà, quoi. Mais... Donc, il est très agréable. Ça, je dois le dire. Il colle pas. Il n'est ni mat ni sec. C'est la même chose que je viens de dire. N'importe quoi. Ni mat ni glossy. Je suis fatiguée. Je suis désolée. Mais... Je sais pas. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Si vous aimez bien sur mes lèvres ou pas. Je sais pas. Donc, on va voir... Ouais, bah, transfert ça d'office. Mais il est moins transfert que le gloss, forcément. Donc, on va tester. Je vais peut-être pas tous les tester, parce que sinon je suis encore la main. Mais j'ai envie de tester le rouge. Donc, le rouge, il est comme ça. C'est vraiment un rouge-rouge. Hein, donc, à voir. Ah ouais. Ouais, ouais. Là, on part sur un rouge, les gars. Mais, waouh. Vous sentez la pression là quand on met un rouge comme ça et qu'on n'a pas envie de déborder. Ben, c'est la même chose. Ben voilà. Ouf, j'ai punaise. il est vraiment très beau. Je peux pas dire le contraire. C'est vraiment le rouge rouge. Hein, c'est... Ah. L'autre, je vais vous les swatcher sur les mains. Donc c'était celui-ci. Ah ouais, je vais vraiment vous donner la teinte. Donc le rouge c'est le Scarlet Red, donc le 317, ici on part sur 318 le taupe, qui est comme ceci, il est juste magnifique maintenant à voir swatché. Ah ouais voilà, ça c'est les couleurs que j'aime, genre je me fais mettre celui là en fait, ça j'adore. Vous allez me dire, hein, tu es capable de sortir avec des foncés mais t'es pas capable de sortir avec ça, oui je sais, je suis contradictoire. Et ensuite le nude, le dark, non, le naked nude, pardon, le 301. Par contre, lui il m'a l'air très clair quand même. Ouais, c'est trop clair pour moi. Ouais, c'est trop clair. C'est beau, mais c'est trop clair. Oh là là.
Donc voilà, j'ai peut-être testé aussi le gloss. Allez, on va tester, à mon avis, ça doit être le gros gloss là, bien. Ah ouais. Ah ouais, non. Ça, j'aime pas du tout, les gars. Je sais pas si vous allez le voir, il est juste là. Oh, c'est le gros gloss là, tout plaquant là. Vous voyez quand on fait et qu'on voit les fils là. Ah! Non, 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 non. Bref, donc le petit bilan de cette vidéo-là qui a duré certainement encore bien longtemps, je suis désolée. Bof, voilà, c'est le premier mot qui me vient, c'est bof. Autant les fonds de teint, je vais dire, ils sont vraiment très bien, je les aime beaucoup, aussi bien le mat que le satiné, d'ailleurs je me les reprendrai certainement. Les primers sont très très bien, ceux-là. Primer pour les yeux, je n'ai testé que l'illuminateur, donc il est vraiment très bien, il est vraiment bien illuminé, ça on ne peut pas dire le contraire. Celui-ci, du coup, je ne l'ai pas testé. Sinon, pour ce qui est des palettes, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, gros flop pour moi, franchement, dans le sens où il n'y a pas de mat. Voilà, je me répète, mais c'est vraiment ça qui pose problème. Sinon, les fards eux-mêmes sont très jolis. Un peu moins pas pigmentés quand même, ils sont pas ouf. Les rouges à lèvres très bien, tous. Les crayons très bien. Que ce soit celui de la muqueuse ou de des rats de cils, franchement très très bien, j'aime beaucoup. Et mascara, non. Hormis moi qui ai fait un rehaussement de cils, donc je vais dire ça va. Mais sinon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous n'avez pas de rehaussement de cils ou si vous n'avez pas de... vous avez des cils très droits ou qui n'ont pas de courbe ou quoi, oubliez, franchement, non. Crayon pour les sourcils, très bien. La palette, très bien aussi. Le concealer que j'avais déjà mis, que j'avais déjà testé, donc là, c'est vraiment un énorme coup de cœur. Sinon, voilà, ça aussi, très gros coup de cœur, j'aime beaucoup. Et l'highlighter comme ceci en pompe, bof quoi. Est-ce que c'est la tête qui ne va pas? Parce que ça m'étonnerait quand même, parce qu'en général je mets des têtes comme ça, mais trop liquide, franchement beaucoup beaucoup trop liquide, c'est pas mon délire du tout. Voilà comment est le maquillage quand même, c'est pas dégueulasse, mais sans plus quoi. Donc en tout cas j'espère que ça vous aura plu quand même, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu. N'oubliez pas d'aller en barre d'infos et de vous abonner pour ne rien rater. Et sur ce, je vous fais des très gros bisous. Ciao les filles.